Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour parler de notre émission préférée, Sport Diapason. Cette émission, ce soir, sera consacrée essentiellement à un événement majeur que nous attendons tous, c'est-à-dire le tournoi des ressortissants de Macorie. Cette amicale qui a décidé cette année d'organiser un grand tournoi pour rassembler tous les New-Yorkais et la périphérie. Donc, ce soir, nous allons essentiellement parler au cours de ce tournoi, de cette émission, de ce tournoi tant attendu par tout le monde. Et sans oublier aussi que au cours de cette émission, nous essaierons de parler un peu de l'actualité internationale et nationale, c'est-à-dire les Jeux Olympiques qui viennent de finir, qui viennent de fermer les portes. Et sans oublier aussi qu'il y a nos sports nationaux en Côte d'Ivoire où nous essaierons de parler de la Super Division, des autres disciplines sportives si vraiment le temps nous permet. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer l'émission, j'aimerais présenter mes invités de ce soir. Nous avons le frère Martin Krabbe qui fait partie du comité de l'organisation. Bonsoir Martin. Bonsoir. Nous avons aussi la sœur Anne-Marie Aoussi, Bonsoir. Madame la Présidente, avec tous mes respects. Et sans oublier aussi qu'on a un invité de taille qui a été le meilleur buteur de l'édition précédente, c'est-à-dire l'année dernière, Namori Meite. Bonsoir le frère. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ensemble parler de tout ce qui peut constituer notre émission de ce soir, parler de ce tournoi tant entendu. Nous allons revenir sur tous les détails, mais sachez que je préfère commencer d'abord par un événement majeur qui, dans ces temps-ci, a captivé tout le monde entier. Tout le monde était captivé sur cet événement majeur, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, qui a fermé ses portes il y a cela 2 semaines. Nous allons faire un bilan, revenir un peu sur les faits marquants de ces Jeux Olympiques. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire donner les différentes performances au niveau des différents pays, faire le classement des pays qui étaient à la tête, qui ont remporté plus de médailles. Au niveau de ce bilan, on peut parler d'un bilan satisfaisant pour les États-Unis qui est à la tête, qui a pris la tête après avoir été titillé par la Chine. Les États-Unis sont en tête avec 104 médailles, la Chine suit avec 87. Et sans oublier aussi la Grande-Bretagne, qui était le pays organisateur, s'est retrouvée en troisième position avec 65 médailles. Sans oublier aussi que nous allons parler des pays africains qui ont participé à ces Jeux Olympiques. On a l'Afrique du Sud qui a occupé un rang honorable, c'est-à-dire la 24e place. Il y a l'Éthiopie aussi qui suit l'Afrique du Sud avec la 25e place et le Kenya qui a terminé à la 28e place. Donc, pour parler un peu de ces Jeux Olympiques, j'aimerais demander à mes invités, est-ce que vous avez suivi ces Jeux-là? Qu'est-ce que ça vous a fait comme événement? Donnez-nous un peu vos impressions concernant ces Jeux Olympiques-là. Bon, il faut dire que par le passé, les Jeux Olympiques, on était habitué à la domination des États-Unis de l'Amérique. Mais avec les années qui arrivent, nous constatons que les petits pays titillent maintenant l'Amérique, à savoir la Jamaïque, dans le sprint, où il rafle pratiquement toutes les médailles. Et là, on se pose des questions. Si vraiment l'Amérique pourra relever les défis dans les années à venir. Nous avons aussi constaté aussi les pays africains qui aussi raflent aussi des médailles dans les différentes courses. Et c'est pas mal. Ça ne fait qu'encourager nos pays africains. C'est dire qu'avec beaucoup d'entraînement, on peut faire mieux. Donc, c'est ce qui a attiré vraiment mon attention dans tout ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Mais ce qu'on n'a pas compris au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pas de médaille pour aucun des pays africains au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, c'est une grande zone de sport. Bon, pour moi, ça, c'est une grosse déception au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ni la Côte d'Ivoire, ni le Nigeria, le Sénégal, aucun pays n'a remporté quand même une médaille. Ah oui, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on avait une athlète, j'oublie un peu son nom, Mireille, Mireille, oui.
Muriel. Muriel. Il faut dire qu'elle s'entraîne ici aux États-Unis. Donc, c'est dit qu'on a des athlètes talentueux. Mais s'ils ne viennent pas côtoyer les meilleurs du monde, il serait très difficile pour nos athlètes de compétir avec ces derniers-là. Parce qu'il faut dire que l'entraînement à haut niveau paye. Donc, si on n'a pas vu des athlètes de l'Afrique de l'Ouest briguer des médailles, c'est peut-être dû aux entraînements. Il faut le souligner. Ok, bon, parlons de notre compatriote Mireille Aouré, qui quand même n'a pas pu avoir une médaille, mais a occupé un rang honorable au niveau de la finale de 100 mètres. Elle a terminé 6e, malheureusement, c'est quand même dommage. Il y a, au niveau des 200 mètres aussi, elle a terminé en 6e position. Ça veut dire qu'elle n'est pas loin des trois premières. Donc, on ne peut que prier pour elle. Il faut que le travail continue. Comme le disait Félicifo Boigny, c'est-à-dire que le découragement n'est pas ivoirien. Il faut que l'État ivoirien mette tous les moyens à sa disposition pour qu'elle puisse continuer le travail. On espère qu'un jour, elle pourra nous glaner au moins une médaille pour l'honneur du pays. Et Madame Muriel, qu'est-ce que ça vous dit, vous qui êtes une dame? Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous avez prié pour qu'elle remporte une médaille, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Oui, effectivement, j'ai vraiment prié. Ça fait plus plaisir qu'une femme soit représente la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, elle n'a pas gagné de médaille, mais elle a gagné quand même. Donc vraiment, ça fait plaisir. Le fait d'arriver en finale, c'est déjà un honneur. Elle quoi. A représenté dignement le pays. Femmes. Donc pour vous, c'est un parcours honorable. Oui. Ah, merci. Et quant à notre invité, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ces JO qui sont finis? Bon, quel commentaire vous pouvez faire par rapport à ces JO? Est-ce que ça a été quand même à la hauteur de ce qu'on attendait, puisque les États-Unis ont raflé presque tout? Ouais, ben, je dirais que tout à fait. Les JO ont été quand même à la hauteur, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des performances des athlètes. Par exemple, nous avons vu un jeune homme comme Usain Bolt qui a battu lui-même son record, hein. Disons que il a dépassé toutes les attentes parce qu'on se disait qu'il n'allait pas être à la hauteur, et heureusement pour lui, il a raflé trois médailles d'or, et ce qui fait que il devient du coup l'athlète le plus rapide de la planète, avec, disons, 6 médailles d'or à son actif. C'est déjà quelque chose. Il y a aussi, l'Américain Michael, lui, Phelps. Michael Phelps, qui a, disons, remporté 22 médailles, qui a pu totaliser 22 médailles en 3 Jeux olympiques. Ça, c'est déjà un record. Hein, et aussi, il faut aussi noter... Ce sont les faits marquants de ces JO. Les faits marquants, bon... Michael Phelps avec 22 médailles. 22 médailles, et aussi il y a l'équipe mexicaine qui a carrément déjoué tous les pronostics en battant l'équipe du Brésil par un score de 2-1. On ne s'entendait pas à cela. Il y a aussi l'équipe de handball de la France, mm-hmm. qu'on appelle communément les experts, j'espère, mm-hmm. qui ont démontré quand même un grand jeu. Voilà, quand même. Moi, mon niveau, c'est fait là qui ont marqué un peu ces JO. Mais il y a un fait, moi, qui a marqué quand même ces JO. Les gens en parlent un peu partout. C'est la première athlète noire à avoir remporté. Ah oui, ah oui. Au niveau de la gymnastique. Oui, effectivement. C'est-à-dire Gabby Douglas. Gabby Douglas. Ça, c'était un fait marquant aussi. Il ne faut pas l'oublier. Elle est la première athlète noire à avoir gagné au niveau de la gymnastique. Ça, c'était jamais arrivé. Ça, vraiment, ça fait plaisir au monde noir, c'est-à-dire qu'à la communauté noire américaine. Et vraiment, on en parle partout jusqu'à aujourd'hui. Même elle avait été invitée la dernière fois à une émission américaine pour vraiment la féliciter pour tout ce qu'elle a fait pour les États-Unis, surtout pour la communauté noire aux États-Unis. Ça voilà l'un des faits marquants aussi. Aussi, il y a un fait que j'aimerais souligner. Il y a le frère aussi, Ben Mété Youssef, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a fait quand même une très bonne performance. Et qui a fait une très bonne performance. Enfin, même s'il n'a pas gagné de médaille, quand même, il a vraiment représenté le pays. Ok, ça veut dire que ça donne des espoirs de médailles dans les années à venir. Donc, je pense qu'on ne peut qu'encourager nos athlètes à continuer le travail, sur le travail paye.
Donc, je pense que sur ce, nous allons essayer de refermer un peu la page de ces JO, puisque nous sommes pris par le temps. On a essayé de faire un peu le tour d'horizon, essayer de parler un peu de ces JO, les faits marquants. Et chacun a donné quand même son point de vue. Je pense que c'était une très belle fête. La Grande-Bretagne a organisé une grande manifestation mondiale. Donc vraiment, on ne peut que féliciter la Grande-Bretagne pour avoir organisé cet événement majeur qui a captivé tout le monde entier. Tout le monde a suivi ça sur toutes les chaînes de télévision, tous les grands médias. Vraiment, c'était une belle fête. Donc vraiment, on attend les prochains JO qui sont maintenant. Qui peut me dire les prochains JO? Au Brésil, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, effectivement. En 2016. Et on espère que tous nos compatriotes feront quand même l'honneur de remporter au moins une médaille. On espère bien sûr le travail, comme je le disais tantôt, paye. Il faut que nos gouvernants mettent les moyens à la disposition de nos athlètes pour qu'ils puissent travailler dans la deux, pour pouvoir rivaliser avec ces Jamaïcaines, ces Américaines, vraiment au niveau du sprint. Je pense que Mireille n'est pas loin. C'est lui donner tous les moyens qu'il faut, quoi. Mais il faut la féliciter parce que elle a été quatrième parmi ces grandes coureuses là. Donc il faut vraiment la féliciter. Elle n'est pas loin. Elle n'est vraiment pas loin. C'est de faire un tout petit effort à son niveau, aussi au niveau de nos gouvernants, pour qu'elle puisse un jour glaner une médaille au moins pour le pays. Okay. Ok, je vous remercie pour tous ces commentaires. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'événement majeur que tout le monde attend. Et tout le monde nous suit actuellement pour cet événement majeur. C'est le grand tournoi tant attendu au niveau des ressortissants, l'amical des ressortissants de Macori. Et ce soir, nous allons essayer de décortiquer, de donner toutes les informations nécessaires concernant ce tournoi. Et j'aimerais poser une question à M. Martin Kragwe. Pourquoi un tel tournoi? Bon, il faut dire qu'au niveau de la communauté, on a essayé quand même de trouver un moyen de fraterniser. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée d'organiser ce tournoi-là, qui a sa troisième édition. Habituellement, c'est dans les fêtes, les soirées, on se retrouve. On a dit pourquoi ne pas essayer de diversifier. C'est ainsi que le président Ismaël Cissé a trouvé bon d'approcher la mission pour leur demander quand même un match amical. Et c'est comme ça que l'idée est partie, de fraterniser entre nous, et ça a été un succès. Alors on a demandé de répéter ça chaque année. Donc cette année, c'est la troisième édition. Et la troisième édition, quel est le grand changement majeur? Bon, le grand changement majeur, c'est nous ajoutons d'autres équipes. Habituellement, c'était entre la mission et les ressortissants de Macori. Mais il s'est avéré que les autres équipes, telles que African Tents, une organisation qui réside à Queens, les Amis du Dimanche, tous ceux-là ont manifesté quand même le désir de participer. Tenez-vous bien, on a même une équipe du Canada qui a vu les différents tournois passer. Ils ont même manifesté le désir de faire partie cette année. Mais il faut dire que c'est une grande armada. Si une équipe doit venir du Canada pour participer, il faut remplir toutes les formalités, l'hébergement, la nourriture, le transport. Donc on a dû soit ça pour cette année. Donc, on a agrandi ça un peu plus à 6 équipes. Quand on va parler, j'aurai le temps de donner le nom des équipes et puis rentrer dans les différents détails. J'aimerais demander à notre sœur Anne-Marie, qui a fait tout le travail colossal au niveau des équipes, qui a approché toutes ces équipes. Est-ce que ces équipes-là sont quand même prêtes pour pouvoir jouer ce tournoi-là? Est-ce qu'au niveau des QG, déjà on s'active parce qu'on les attend pour ce tournoi là? Oui, les équipes sont prêtes. C'est vrai que je les ai contactées, donc elles sont prêtes. Il y a des équipes qui s'entraînent chaque semaine. Donc voilà, ils n'attendent que le samedi 25 août pour participer au tournoi. Quel mot vous leur lancez pour ce tournoi là? Vous les rassurez, vous dites que vraiment ils peuvent compter sur vous. Qu'est-ce que vous leur dites?
comme garantie pour qu'ils viennent pour la fête du samedi? La seule garantie, c'est d'être présent le samedi 25 août. Et bien sûr, on va faire ce tournoi-là. Et sera, comme Martin l'a dit, on sera ensemble fraternisés. Et puis bon, voilà. Donc, j'aimerais que vous donniez le nom de cette équipe-là et que si on peut passer directement, comme on l'avait dit, passer au tirage au sort, pour que tout le monde sache déjà de quoi il s'agit et quelles sont les équipes qui seront présentes et, dans différents pôles. Essayez d'expliquer un peu les modalités, comment ça va se passer entre les six équipes. Ok, bon, il y aura six équipes. Il y a Macquarie Football Club, qui est l'équipe de l'organisation de Macquarie. Il y a l'équipe de la mission de Côte d'Ivoire. Il y a Afrique Entente, une organisation qui réside dans le siège à Queens. On a les Amis du Dimanche. On a Fila Football Club, une équipe qui vient de Philadelphia. Et on a la Cour Suprême, une équipe qui vient de New Jersey. Je profite de cela pour lancer un appel. Il faut dire que nous avons six équipes. Compte tenu du temps qui nous sera imparti, il faut qu'ils fassent tout pour être là à l'heure. C'est-à-dire à midi, le tournoi. Au niveau de la ponctualité, vous voulez que ce soit respecté, les heures soient respectées parce que exactement, on va se jouer dans l'après-midi, dans un laps de temps entre 14h et 20h. Donc les rencontres vont aller tellement vite qu'il faut que ces équipes-là soient là à temps. Exactement. Mais s'ils peuvent même venir déjà à midi, parce qu'il faut qu'on tienne quand même une mise au point. Une réunion technique concernant le tournoi. Et puis on aura aussi nos autorités compétentes qui seront là. Donc il faut qu'on puisse mettre quand même les pendules à l'heure pour pouvoir s'entendre sur l'esprit de fair play, surtout. Et puis leur dire comment est-ce que ça doit se dérouler. Il y aura deux poules. Macquarie sera poule de tête et la mission sera la deuxième poule de tête. Et nous allons faire le tirage au sort tout à l'heure pour départir les différentes équipes qui vont faire partie de ces poules. Ok, donc sans plus tarder, nous allons faire le tirage rapidement. Donc, madame, vous avez la latitude de nous montrer ces différentes équipes là, à travers les différentes feuilles que vous avez. C'est les deux poules de tête là. Oui, je vois. Okay. Donc il y a Macquarie là. Donc celle qui sera tirée au sort sera tête de poule A et l'autre sera la tête de poule B. Mais pour ça il faut une main neutre ou bien. Pardon. Non, les deux têtes de poule, tu n'as pas à les plier. Tu mets, et puis ça, tu vas les plier quand tu tires, on met derrière les différents poules de tête. Ah, je vois. Voilà. Non, mais déjà, il peut plier et puis une main neutre vient prendre et puis bon, je sais pas. Voilà. Okay. Une main neutre peut venir prendre. Ou bien, bon, nous avons notre attaquant vedette, l'ancien buteur de l'édition précédente, Namori Meite. Il va essayer de tirer déjà quelle équipe qui sera tête de poule. La poule A et la poule B. Ok, d'accord. Je peux. Il tirera d'abord. Oui, il va tirer d'abord pour qu'on sache les têtes des poules. Oui, okay, allez-y. Non, oui, mettez. Je prends ça. Ok, Macquarie. Macquarie est tête de poule A. Ah. Okay. Voilà, ça c'est déjà connu. Macquarie, tête de poule A. Oui. Donc automatiquement. Non, yeah, la mission devient tête de poule B. B. Okay. La mission. Ouais, tête de poule B. Maintenant les différentes équipes qui vont accompagner. Les têtes de poule. Bon. La Cour suprême. La Cour suprême rejoint Macquarie dans la poule A. La poule A. Afrique Entente. Afrique Entente dans la poule B avec la mission. Ça c'est Philadelphie. Philadelphie sera dans la poule A. A de Macquarie. Voilà.
Les amis du dimanche. Les amis du dimanche, ils sont dans la poule. Voilà. Okay. Donc, okay, je pense voilà. que les différentes poules sont déjà constituées. Pour le programme, le comité d'organisation va s'atteler à envoyer à tous ses responsables d'équipe tout le programme comme il se doit. Retenez que dans la poule A, nous avons Macquarie, la Cour suprême et Philadelphie. Et dans la poule B, la mission est la tête de poule. Nous avons Afrique Entente et les amis des dimanches. Maintenant, quant à, aux différentes rencontres, ça c'est de l'essor du comité d'organisation. On voit qui de Macquarie ou de la Cour suprême. Bon, c'est-à-dire Macquarie doit croiser la Cour suprême ou Philadelphie. Ça, c'est un autre tirage, ça c'est à votre niveau. Ou bien si vous voulez, on peut le faire en même temps. Entre les deux équipes, Macquarie déjà est tête de poule. Donc, c'est de faire un autre tirage pour savoir laquelle des deux équipes va affronter Macquarie déjà pour le match d'ouverture. Ok. On peut pas faire si ça. Si vous permettez. Oui. Bon, déjà, l'emplacement fait que Macquarie est A, l'autre est B et l'autre est C. Donc, yeah. Selon le programme. La Cour suprême. Macquarie croise la Cour suprême pour le match d'ouverture. Oui, maille de poule, ça sera A contre B. Voilà. Non, non. C'est-à-dire A, c'est-à-dire le premier tiré croise le deuxième dans la poule A. Donc Macquarie croisera le fer avec la Cour suprême pour le match d'ouverture. Ok. Ensuite, la mission jouera le deuxième match contre Afrique Entente. Et Philadelphie et les amis du dimanche seront exempt pour la première journée et ensuite ça c'est de l'essor du comité d'organisation de mettre tout en œuvre pour nous donner un programme à la sortie d'ici, ça c'est de votre essor. Okay. Voilà. Donc je pense que vous trouverez toutes les combinaisons possibles pour qu'on puisse avoir le programme, pour que ces équipes-là puissent rentrer en en position de ce programme là pour qu'on puisse effectivement jouer le tournoi le dimanche et le samedi prochain. Pas de problème. Voilà, donc sur ce, je pense que le tirage est fait. Les équipes déjà qui nous suivent savent déjà dans quel poulet se trouve. Maintenant, quant au programme, ça va venir au fur et à mesure. Vous allez leur communiquer ça par voie de presse ou par d'autres moyens. Donc je pense que c'est fini pour le tirage. Maintenant, vous avez des précisions à donner concernant le déroulement du tournoi, s'il y a d'autres précisions à donner. Oui, effectivement, comme l'a précisé ma collègue, c'est le samedi 25 août à Max Brother Playground. C'est entre la 1ère et la 2ème avenue sur la 97e rue. Ça, c'est le lieu, l'emplacement où se jouera le tournoi. Exactement. Le lieu, je répète, le jour, c'est le samedi 25 août 2012. Le lieu, c'est Mass Brother Playground, entre la 1ère et la 2ème avenue, sur la 97e rue. Donc, comme je le notifiais tout à l'heure, j'ai dit que nos deux plus grandes autorités seront présentes. Il s'agit de Son Excellence Youssouf Bamba, ambassadeur attaché à l'ONU, et Son Excellence Daouda Diabaté, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington. Ils seront présents. Donc nous demandons aux différentes équipes qui seront présentes de faire valoir leur esprit de fair play et puis que tout se déroule dans une parfaite entente et que le meilleur gagne. C'est ce que je voulais ajouter. Je pense que l'appel a été déjà bien entendu de part et d'autre au niveau des différentes équipes. Ça veut dire qu'il faut que le fair play puisse régner pour que la compétition puisse se passer dans de bonnes conditions parce que nous recevons deux grandes personnalités au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'ambassadeur Bamba Youssouf et l'autre de Washington, Daouda Diabaté. Donc ça veut dire que je pense bien qu'avec ces deux personnalités, tout va bien se passer. Ça donnera l'image qu'il faut pour qu'on puisse fraterniser, s'amuser comme il se doit. Oui, il y aura aussi des médailles, il y aura aussi des coupes pour récompenser les meilleurs. Et à la fin du tournoi, il y aura des rafraîchissements
pour quand même accueillir ceux qui viennent de loin. Et tout ça, donc, ça sera une grande fête. Nous demandons à toute la population ivoirienne d'être présente. Et dans New York, et dans les périphéries. Et dans les périphéries, comme vous venez de le dire. Et il y a aussi ma collègue qui a quelque chose à ajouter concernant... au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation. Oui, oui, il y aura une foire de santé. Et parce que le 28 avril dernier, on avait fait une foire de santé qui a eu du succès. Donc on va répéter ce même samedi-là. Bon, comme on le dit, vaut mieux prévenir que les guérir. Donc, pendant cette foire de santé, il y aura le dépistage du virus du sida. Il y aura aussi le contrôle du taux de sucre, de la tension. Aussi, il y aura possibilité d'appliquer pour les assurances maladie et assurance vie. Et aussi, il y aura une école d'assistantes infirmières qui sera là. Donc, les femmes qui sont intéressées peuvent prendre des informations et puis ensuite s'inscrire dans cette école-là. Donc, en gros, voilà. Donc, on invite toute la communauté à venir. Il y aura l'ambiance facile. Oui, il y aura l'ambiance facile pour... donc, on va s'amuser, se rassembler et pour ce tournoi-là. Donc, le numéro de contact, c'est le 347. 985-44-55 347-985-44-55. Je pense que l'appel a été bien entendu. Madame a donné toutes les précisions et je pense que c'est une belle fête qui aura lieu du côté de la 97, c'est ça, c'est-à-dire la 97e. Et nous lançons cet appel à nos frères de nous rejoindre pour que nous puissions communier comme il se doit, parce que le football est un facteur de rapprochement, comme on l'a dit, l'adage. Donc vraiment, je pense que tout a été dit, et vraiment, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je voulais ajouter... Oui, allez-y, allez-y rapidement. Je voulais ajouter quelque chose concernant la foi. Généralement, ici, quand on parle d'assurance, on pense à ceux qui ont les papiers. Mais cette foi-là, même si tu n'as pas les papiers, tu peux venir. Il y a les moyens de t'octroyer une assurance. Quand tu seras sur place, ils vont t'expliquer. Donc, même si tu n'as pas le papier, tu peux venir. Les bonnes dames qui seront là, te montreront comment faire pour t'octroyer une assurance pour pouvoir te soigner. Donc, nous lançons un appel à toute la communauté. Que tu aies les papiers, que tu n'aies pas les papiers, venez, on va s'occuper de vous. Donc, c'est ce que je voulais lancer comme appel. Je pense que ça a été bien entendu. Merci pour ces précisions. Nous avons le meilleur buteur de l'année dernière avec nous. Et on va lui arracher quelques mots. Voici sa coupe qu'elle a. Namori Meite, qui a été tout feu, tout flamme l'année dernière, marquant 4 buts au cours d'une rencontre face à l'équipe de la mission, qui a montré toutes les couleurs à cette équipe de la mission. Est-ce que cette année, vous êtes prêt pour récidiver le meilleur buteur? Oui, tout à fait. Donc pour cela, j'invite le public à venir nombreux, parce que en tant qu'acteur de chant, le spectacle sera garanti. Donc je lance un avertissement aux différents défenseurs qui se tiennent vraiment prêts, parce que cette année, je pense que ce ne sera pas 4 buts, ce sera peut-être 12. Mmh. Voilà. Mais quel est votre secret pour tous ces buts marqués là, bon, au cours d'une rencontre marquée 4 buts? Écoute, vraiment, bon, je peux faire garder cela comme secret, mais qu'ils sachent une chose, c'est qu'ils auront affaire à un attaquant qu'on appelle généralement le renard des surfaces de réparation. Ça veut dire que je suis là, j'attends, je suis patient, voilà. Vous faites la différence. Donc, cette année, vous allez défendre les couleurs de quelle équipe pour cette... Les Amis du Dimanche. Les voilà. Amis du Dimanche. Ouais, donc, ouais. Ça a été un transfert, quoi. Vous avez quitté Makori pour les Amis du Dimanche. Bon, ils n'ont pas respecté... Vous savez le coût du transfert. Ils n'ont pas respecté leur part du contrat, donc je t'ai oublié de claquer la porte. Donc, il a été acheté cher par les Amis du Dimanche. Ouais. Oui, vous avez quelque chose à ajouter, madame, allez-y. Oui, oui, pour préciser, après les matchs de demi-finale, match de classement, avant la finale, il y aura le match des femmes. Oui, ça, il fallait le signifier, c'est très important. Merci pour le rappel. Oui, les femmes de Makori vont jouer avec les femmes d'Adjamé. Donc, voilà. Ça, c'est l'apothéose, ça.
Mais vous ferez partie de cette rencontre-là. Parce que vous avez la morphologie d'une grande attaquante. Hein. Bon, vous pouvez rivaliser avec Onamoré Mérité. Vous pouvez marquer au moins des buts pour nous. Bien sûr, on invite donc toute la communauté à venir supporter aussi les femmes. Le match des femmes sera très très intéressant d'ailleurs. Voilà. Là, je pense que ça sera une très belle fête du côté de Makori. Et vraiment, il faut dire merci à cette association qui fait beaucoup pour la diaspora. Chaque année, c'est une association qui essaye de mettre tout en œuvre à travers des œuvres caritatives, à travers des tournois de football. Je pense que vous faites beaucoup pour toute la diaspora. On vous dit merci pour toutes ces actions à mener. Vraiment, on en tiendrait compte dans nos relations. On vous remercie pour tout ça. Et merci aussi pour l'invitation à Ivoire TV qui sera là pour couvrir l'événement. Ivoire TV sera là pour retransmettre du pas à pas tout ce qui peut concourir à la bonne marche de cet événement. Donc nous y serons avec tous nos techniciens. Vraiment, je vous donne l'assurance et merci pour l'invitation que vous nous honorez. Et sans plus tarder, je pense que nous allons rentrer un peu dans les divers pour parler un peu de l'actualité nationale, c'est-à-dire au niveau de la Super Division. La Côte d'Ivoire a presque son champion au niveau du football. Il y a le CV Sport de San Pedro qui a deux pas de remporter le titre de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas arrivé, ça fait pratiquement 10 ans ou bien 20 ans de cela. Un club de l'intérieur est au sommet, donc voilà un peu le fait marquant au niveau du football en Côte d'Ivoire, mais la SEC est en train de remonter là-bas. Quel commentaire vous pouvez faire rapidement sur le CWE qui vraiment veut remporter le titre de Côte d'Ivoire cette année? Bon, il faut dire que depuis un bon moment, je ne suis plus l'actualité sportive de la Côte d'Ivoire, mais si le CWE est en bonne position pour remporter le championnat, il faut dire que vraiment les forces du football ivoirien se déplacent et c'est encourageant. Donc, je les encourage, et puis on attend de voir, c'est tout. Donc, merci pour ces commentaires. Donc, sur ce, je pense que nous allons clore cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à tous mes invités d'avoir répondu à notre appel. L'appel qu'on lance à la communauté ivoirienne et toute la diaspora, c'est de se déporter le samedi du côté de la 97e au niveau de entre la première et la deuxième rue où va se jouer le grand tournoi entre 6 équipes qui vont en découdre pour pouvoir arracher Dame Coupe. Donc on invite tout le monde à venir soutenir ces athlètes là, sans oublier aussi le match des galas des femmes. Donc vraiment tout le monde est convié à cette belle fête là. Donc je vous remercie, merci à tous d'avoir répondu à cet appel et que Dieu nous bénisse. Sans oublier, je lance un coucou à notre frère Ismaël Cissé pour le décès de sa mère, pour dire que nous sommes de cœur à lui et que son âme se repose en paix. C'est sur ça que nous allons refermer notre émission de Sport Diapason. Et merci et à bientôt.